Allez, allons-y. D'abord, pardonnez-moi de vous déranger à une heure si matinale. Vraiment, c'est très très tendu et il arrive tout de suite comme ça. Je suis M le maudit. Où en étions-nous? Quelqu'un à coup de poing, Balthazar, toujours. Mais les choses ont bien changé. J'ai grandi. Ça, c'est très très amusant de jouer dans ce genre de film, les méchants jusqu'au boutiste, comme ça. Votre... Vous savez, j'adore les enfants. Mais où est-il? C'est amusant. Mais assez de discours, il est temps de passer à l'action. Allons-y, que la fête commence. Je suis un guerrier. Soldat, aidez-moi. Qu'est-ce que je retire de cette expérience de doublage? C'est assez amusant quand ça va vite comme ça. Votre fameuse tarte au chocolat, par exemple, vous étiez capable de la refaire sans faire un travail. Je suis prêt à refaire l'expérience, bien sûr, avec plaisir. Papa, papa, je suis là, c'est moi. C'est une vraie surprise pour moi, car j'avais la sensation qu'il était mort. Noyé. Oui, on a des petites choses à régler. Il démarre un peu comme on l'a quitté, c'est un revanchard. Ah, je sais, il n'y a qu'à tous les dégouiller. J'aime bien ce personnage, un peu lourdeau, un peu bourrin. On est participant quand on est face à un écran. Coucou, c'est moi. On a comme postulat le rêve. On a envie de s'y embarquer, c'est une décision qu'on prend. Vas-y, balance le truc. Et donc on parcourt avec chacun des personnages. Leur action, leur émotion. Salut. Oh non, non, ah, piscine, non, non. La voix, c'est un instrument. Il faut savoir parfois aller chercher des résonances. Mais il a cette voix-là, Tarkos. Hein. Soit dans les graves, monter dans les aigus, toucher au ridicule. Plus la voix est ridicule, plus l'être est ridicule, plus le personnage est bien couillon. Parce que si tu prends un interrogatif, c'est forcément que ça monte. Donc... Ouais, ça prend. C'est vrai. C'est vrai. Je le trouve drôle. J'essaie de lui amener une certaine personnalité, qui est peut-être pas tout à fait celle de l'origine. J'espère avoir apporté quelque chose. C'est vrai, tu le penses vraiment.